Ah bon? Peut-on savoir ce que tu cherches sur ton chien depuis une heure? Oui, je cherche une puce. Quoi? C'est dangereux ça, papou. Je vais être comme papa. Il est au courant de toutes mes notes. Il paraît que c'est mon ami Denis qui lui met chaque fois la puce à l'oreille. Alors, les enfants, qui aimeraient aller au paradis? Bien. Et toi, papou, tu ne veux pas aller au paradis? Non. Je ne veux pas. Ma maman m'a demandé de rentrer tout droit à la maison à 17h. Vieux père Kofi, pardon, faut aider ton bon petit. C'est bien de 30 bars pour aller payer le loyer, quoi. Hein, tu vois, non? Où veux-tu que je trouve 30 000 francs le matin, comme ça, petit? Non, cherche bien, même bailleur de fonds, là. Tu n'en connais pas. J'en connais un, mais il habite trop loin. Je peux pas marcher jusque chez lui. Je peux te donner, bon, tu vois, non? Pour le Warren, ça suffit, non? Ouais, mais faut envoyer. Je repasse ce soir vers 19h. Tu seras déjà revenu, non? Oui, c'est ça, bye! Quelle chance! Je n'avais rien à manger aujourd'hui. Coco, tu es là, non, Kofi? Oui, viens faire comme moi. Écoute, je suis allé chez lui, le bailleur de fonds, mais il n'était pas là. Je l'ai entendu jusqu'à... Si tu as encore l'argent du taxi, donne-moi. Demain, je repars là-bas. No pitié in business. Monsieur, pardon, il n'y a pas de cabinet ici? Pardon. C'est là, après tu passes à la caisse pour payer. L'argent cadeau à domicile. Mais tu es tombé dans la latrine. Ça y est, fait comment? Tchou, j'ai fait tomber mon bidou là dans la latrine. Hein, tout mon argent est parti. C'est 50 000. Oh. Avec ma pièce d'identité, tout ça là. Ça m'arrange pas. Monsieur, tu peux rien faire pour moi? Yako, hein. On ne peut plus rien faire, mon garçon. Bon, faut partir. Maintenant, hein. Faut partir, Yako. Yako, hein. Opération repêchage. L'argent n'a pas d'odeur. Le pitié in business.